Salut, c'est Fatal Ordi, et comme vous le voyez, on se retrouve pour un nouveau let's play d'un jeu de gros ou faux. Je vous fais pas l'affront de vous présenter Sonic, hein, je pense que si vous connaissez pas Sonic, arrêtez de jouer aux jeux vidéo, c'est pas la peine. On peut plus rien faire pour vous. Voilà, Sonic, la version Mega Drive, parce qu'il est aussi sorti sur Master System. Donc moi j'y joue sur ma Wii en émulation, tout simplement, comme d'hab, hein, pour tous les jeux rétro. Voilà. Putain, ça fait du bien aux oreilles ce Sega là. Pourquoi Sonic? Et pourquoi un let's play? En fait, ça va être... j'ai démarré le jeu. Oui, ben on va y aller, hein, tant qu'à faire, voilà. On va essayer de pas trop s'arrêter parce que Sonic c'est quand même un jeu où il faut aller très très vite. Alors j'espère que le let's play va bien se passer parce que j'aimerais pas que ce soit encore un let's play avorté. Comme ça m'est déjà arrivé maintes fois. Alors pourquoi Sonic? Parce que c'est un jeu que j'ai toujours adoré. Et oh, quel salaud! Salaud! Attends, j'ai fait quelques tests avant de commencer, je me suis pas fait toucher. Et là, direct, la pauvre vieille guêpe qui passe dans le coin. En plus, je crois qu'il y a mon téléphone qui sonne là, mais c'est pas grave. Et évidemment, j'ai pas chopé l'anneau, bon, tant pis. Putain, il va fermer sa gueule lui. Voilà, on n'entend plus le téléphone. Oui, donc, pourquoi Sonic? Je vais y arriver. c'est un jeu qui m'a beaucoup marqué. Parce qu'il s'agit de mon tout premier jeu vidéo. Voilà, tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Même si c'est pas tout à fait vrai. Mon premier jeu, je vous en ai encore jamais parlé. Peut-être que je ferai un let's play dessus, pour le moment, c'est pas prévu. Mais pourquoi pas, après tout, hein, c'est pas... C'est pas un jeu forcément connu, mais bon, par rapport à Sonic, voilà, Sonic c'est plus parlant. Et donc pourquoi je dis que c'est pas tout à fait vrai? Parce qu'en fait ce jeu ne m'appartenait pas. La Mega Drive appartenait à mes parents. Et donc c'est surtout ma mère qui y jouait. Elle jouait aussi à Aladdin. Et voilà, moi je la regardais jouer et j'y jouais pas trop, enfin de ce que je me souviens. J'aimais pas y jouer parce que à l'époque je devais avoir 2-3 ans, hein, donc vraiment j'étais. Je pouvais pas jouer correctement à Sonic, c'est pas possible. Puisque c'est quand même un jeu qui est assez coriace. Hein. Ah putain, j'ai pas été assez rapide. Et du coup ouais, je l'ai regardé. Et voilà, c'était génial. C'est des souvenirs vraiment de ma plus petite enfance et mes souvenirs les plus anciens que j'ai du jeu vidéo. Donc c'est voilà, c'est génial. C'est pour ça que Sonic c'est un jeu particulier pour moi. Et pourquoi je veux le faire en let's play? C'est très simple. C'est que j'ai envie de le finir une bonne fois pour toutes parce que je l'ai jamais fini. Faut dire que j'y ai pas joué souvent. Et la seule fois où j'y avais rejoué, c'était il y a quelques années, mais justement quand j'ai appris à émuler sur la Wii. Sauf que j'y ai pas joué longtemps et je galérais même encore. Même si j'étais plus un gamin, je galérais quand même sur ce jeu et je me suis refait avoir par le bumper, comme la dernière fois. Hop, voilà. Oula, heureusement que j'avais le bouclier. On va essayer de bien passer là. Ah! Il est chaud ce passage là! Et du coup, ouais, je vais essayer de le terminer, ce foutu jeu, une bonne fois pour toutes. Et donc, voilà, c'est pour ça le let's play va me permettre de mettre ça en application, tout simplement. Enfin, je l'espère, hein, j'espère que le let's play va bien se passer. Même si j'arrive pas au bout. Au moins que j'essaye de faire une prestation correcte. Puis voilà quoi, Sonic c'est Sonic quoi, Green Hill Zone. Putain mais cette musique, ces graphismes, mais ça c'est un truc que tu t'en souviens toute ta vie. Oh! Mais c'est quoi cette...
ce recovery tout pourri là. J'ai à peine eu le temps de me faire toucher par les pics, je suis mort. Bon, là on va essayer de pas se faire toucher, voilà comme ça c'est parfait. Non, d'accord. Bon et s'il faut je vais me prendre un game over dès le début hein. Bon, on va le faire comme ça, c'est pas grave. Voilà. Zut. Donc ouais, le but ça va être d'aller le plus loin possible dans le jeu et si possible de le terminer. Donc je sais plus où je m'étais arrêté dans mon autre partie, mais bon, en gros, les seules zones que je connais plutôt bien, c'est Green Hill Zone et le Marble et la deuxième zone quoi. Je me souviens même plus de son nom, c'est la zone avec la lave. C'est les seules dont je me souviens. Et celle que je pense pouvoir réussir sans trop de soucis. Même si là, je galère déjà sur Green Hill Zone. Oh putain, mais quoi? Mais attends, il me fait deux fois le coup, c'est dégueulasse. Et là, par contre, je comprends pas pourquoi j'ai pas eu de continue. En fait, je sais pas comment ça fonctionne. Parce que... attends, là, j'ai repris à Green Hill Zone 1, du coup, ouais. Parce que dans la partie que j'ai fait tout à l'heure, dans l'essai, en fait, à un moment, j'avais pris un game over au même endroit, enfin, pas tout à fait au même endroit, mais dans la même zone. Et en fait, il m'avait proposé un continue. Je pouvais appuyer sur start pendant 10 secondes, et ça me remettait un checkpoint. Sauf que là, j'ai rien eu, je sais pas pourquoi, peut-être parce que j'ai pas pris de checkpoint. Ce serait un peu salaud, ça, quand même. Salaud! Mais bon, du coup, il va falloir que je surveille les checkpoints. Faudrait que j'arrive à choper des vies aussi, mais bon, c'est pas ce qui est de plus facile à récupérer les vies dans Sonic, hein, de ce que je m'en souviens. Allez, hop, dans l'anneau. On va essayer de choper l'émeraude. Tout à l'heure, ça s'est soldé par un échec pitoyable. Ça par contre, c'est les niveaux bonus de Sonic 1, ça m'avait vraiment choqué quand j'étais gamin parce que je comprenais pas du tout ce qui se passait. Oula, par contre, faut pas aller là, faut pas aller là, faut pas aller là, là ici, ah zut. Ça m'avait choqué parce que je comprenais rien du tout, c'était pas le jeu normal, il y avait des espèces d'animaux en arrière-plan, les oiseaux, les poissons, je comprenais rien, c'était horrible. Mais la chose qui m'a le plus choqué dans le jeu, c'est la démo qui se lance sur l'écran titre. Parce que, en fait, j'avais pas compris que c'était une démo qui s'enclenchait et qui jouait tout seul, toute seule. Et du coup, je croyais que Sonic ne m'obéissait pas. Et que, en fait, je pouvais pas jouer tout simplement, je comprenais pas pourquoi. Et je me souviens qu'une fois, je m'étais mis à pleurer. Parce que j'arrivais pas à quitter la démo, j'arrivais pas à jouer. Et cet abruti de Sonic, il jouait tout seul, et en plus, il mourait, c'est ça le pire. À la fin de la démo, il mourait, il se prenait les pics. Et ben moi, ça me faisait chier, parce que c'était pas ma faute, et j'arrivais pas à jouer. Là, par contre, je suis un peu bloqué, mais je crois qu'on n'a pas besoin de ça, en fait. Voilà. Oh, mais putain! C'est vrai que la physique est un peu spéciale à gérer au début, là. Enfin, surtout les accélérations, en fait. Je sais pas si vous entendez très bien la musique, par contre. Bon, comme vous le voyez... Alors, on va essayer de récupérer des crédits, voilà, hop. Je vais en ligne droite parce que je considère que Sonic, c'est un jeu où il faut aller vite, alors je vais pas m'embêter à aller m'arrêter, faire des allers-retours. On n'est pas dans un Metroid, hein, donc voilà. Est-ce que je vais réussir à quitter Green Hill Zone? Alors au niveau du let's play en lui-même, c'est vrai que j'en ai pas encore parlé. Je pense que je ferai une partie par zone. C'est-à-dire que là, je vais... Dès que... Oh putain. Allez, on va aller par là. Dès que j'aurai fini Green Hill Zone, je m'arrêterai tout simplement. Et ainsi de suite.
Alors je sais pas s'il y a un système de sauvegarde d'état sur l'émulateur, je l'espère, sinon je sais pas comment je vais me débrouiller. Si je me donne à fond, je pense pouvoir finir le jeu dans le week-end, ce serait l'idéal. Et sinon on verra. Oh putain! Allez, on y croit. Oh! Oh non, j'y étais presque! C'était pas fait exprès, mais j'ai presque réussi à passer sans me faire toucher. Voilà. Il y a tellement de chemins alternatifs dans ces niveaux. Ça m'a toujours impressionné, ça. Contrairement à un Mario où ben, on est vraiment... c'est une ligne droite. Là, Sonic, c'est un peu bizarre parce que Sonic, t'es censé aller plus vite. Donc, normalement, t'as pas de... Ah, le boss. T'es censé aller plus vite dans Sonic, donc normalement, c'est pas logique. Lui, j'ai galéré pour le battre tout à l'heure. On va se la jouer petit joueur, voilà. Putain, faut que j'essaye de récupérer mes anneaux. Non. Putain, non. J'y suis presque, voilà. Oh non, faudrait pas que je meure contre le premier boss du jeu quand même, ce serait la honte. Et voilà, on libère les petits animaux. Voilà, donc j'ai gagné plein de points. Voilà, c'est ça le problème dans Sonic, c'est que on peut pas Marble Zone. Voilà. Encore une musique de ouf là aussi. C'est les deux musiques qui m'ont marqué, c'est Marble Zone et Green Hill Zone. Mais là, le problème, c'est que je sais pas si on fait Start, ça met en pause le jeu, tout simplement. Si je vais dans le menu de l'émulateur, load and save, empty slot, qu'est-ce que ça veut dire ça? Je comprends rien du tout. Backup memory, si je fais oui, backup RAM not modified, d'accord, je comprends rien. J'aimerais pas devoir recommencer à chaque fois. Mais un petit slot. Ah voilà, save file. Ok, donc là normalement, si je reviens, que je fais... Voilà, slot 1, parfait. Normalement c'est bon, voilà. Voilà, on va s'arrêter là pour cette première partie du let's play de Sonic the Hedgehog. J'espère que ça vous plaira. Moi, je pense que je vais m'éclater sur ce jeu et j'espère vraiment enfin terminer ce jeu culte. Voilà, donc c'est la fin de ce premier épisode et donc je vous dis salut et à la prochaine.